Je vous le disais en titre, aujourd'hui, 15 août, pour les chrétiens catholiques, c'est l'Assomption. Le sens de cette commémoration nous est donné par l'archevêque de N'Djamena, Mgr Ditangar Goitbé Edmond. En célébrant la fête de l'Assomption, l'Église catholique commémore la montée glorieuse de la Vierge Marie au ciel. Et le 15 août reste dans la mémoire de l'ami Fortin comme un grand jour de fête et de convivialité organisé annuellement par la paroisse cathédrale qui avait pour patronne Notre-Dame de l'Assomption. Elle reste une des fêtes majeures dans l'Église catholique universelle et c'est pourquoi nous l'avons choisie pour le lancement officiel de la campagne de sensibilisation que l'archidiocèse de N'Djamena entreprend autour du projet de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. La restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Elle avait été rendue possible grâce à la prise en charge de son financement par le chef de l'État, qu'il a inscrit avec bienveillance parmi les grands travaux présidentiels. Les travaux ont effectivement commencé le 22 juillet 2013 et devraient durer 18 mois. Mais malheureusement, le chantier fut suspendu quelques mois après en raison de la conjoncture financière difficile dont notre pays, comme les autres du monde, ont été frappés de plein fouet. Il nous faut pour cela identifier les principaux acteurs. Ceux que nous avons identifiés sont les suivants. D'abord, l'Église catholique du Tchad, l'État tchadien, à travers les grands travaux présidentiels. La SOGEA, SATOM, le groupement BEX. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? C'est d'abord prier pour la reprise et le bon déroulement des travaux. Deuxièmement, créer dans chaque paroisse un comité paroissial d'animation et de suivi du projet. Troisièmement, la confection des supports et l'animation médiatique à travers les dépliants, les cartes de participation, etc., pour accompagner l'exécution des activités programmées. Quatrièmement, et bien sûr, la collecte des fonds selon les orientations qui seront données par le comité. Par la même occasion, l'archevêque a déploré le fait que le site réservé à la construction de la basilique dans le 7e arrondissement est occupé par des personnes qui développent des activités commerciales. Un extrait de ses propos. C'est sur ce terrain, si au quartier Atron, dans le 7e arrondissement, qu'a eu lieu la cérémonie de la bénédiction de la première pierre par feu Mgr Mathias Ngartéri, et la pose officielle de cette même pierre par son Excellence le Président Idriss Déby Itno. C'était le 5 avril 2013. Le terrain est aujourd'hui squatté par des marchands de sable, de gravier, de briques fabriquées en creusant le sol même du terrain et des vendeurs de voitures d'occasion. Nous avons aussi créer un comité ad hoc pour étudier et nous proposer des activités qui nous permettent d'aménager ce terrain pour rétablir son caractère sacré et y développer des activités religieuses. Ces deux propositions ne remettent pas en question les projets tels que conçus et prévus. Nous voulons simplement couper court à toutes les spéculations autour de ces projets et entretenir l'espérance afin que les travaux puissent reprendre assez rapidement. Nous resterons en relation permanente avec nos différents partenaires et nous prions pour que la situation financière s'améliore le plus tôt possible afin que le projet aboutisse au terme de sa réalisation. 200 jeunes musulmans viennent de boucler donc leur formation.
C'est une formation qui porte sur les sciences islamiques. Les détails avec notre reporter Dionodie Nestor. Deux semaines, ces derniers seront largement sensibilisés sur les notions relatives à l'unicité et à l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui. Les participants vont acquérir des connaissances sur l'hygiène corporelle et la jurisprudence islamique. Pour le secrétaire général du complexe, Abdoulaye Ibni Abbas, pour les sciences islamiques, relève que l'éducation religieuse des jeunes a tout son sens dans la vie sociale. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Saleh Mahamat Ramadan, déplore certains aspects négatifs à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Il a en outre mis l'accent sur la délinquance juvénile. Selon lui, cette formation aidera les jeunes à prendre conscience. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.